La place, quand j'arrive, je vois que c'est un petit peu que la végétation a repris le dessus. Alors, je vais vous présenter le matériel pour pêcher l'écrevisse. Donc, j'ai pris une ancienne canne en bambou, en deux brins, j'ai même trois brins. Avec, j'ai scotché une fourche, simplement une fourche de noisetier que j'ai collé et que j'ai mis du chatterton. Voilà, donc on a besoin pour pêcher les crevisses, on a besoin de balances qu'on peut acheter sur internet. Ça doit coûter 20 euros les 6 balances. Voilà, comme j'ai pas beaucoup de place, je vais pêcher avec 3 balances. Donc on met de la ficelle de récupération, de la ficelle à ballot ou tout autre. Ensuite, mes appâts. Alors j'ai une ancienne truite qui n'a pas été vidée, mais qui avait tourné, une ancienne truite arc-en-ciel. Et quelques poissons blancs que j'avais congelés. Donc je vais les découper en morceaux. Et maintenant que le poste est dégagé, on va pouvoir lancer les balances, les lignes si on peut dire. C'est assez encombré. Depuis l'année dernière, les arbres sont tombés dans l'eau. Donc je vais quand même essayer de pêcher cette place-là qui donnait des résultats l'année dernière. Voilà, j'ai coupé des tronçons de morceaux de truie avec le doudouk, fameux couteau qui coupe super bien pour un prix modéré. Voilà la présentation des appâts. Voilà. J'ai préparé le seau pour recevoir les écrevisses et les mettre dans l'eau. Et espérons d'avoir les écrevisses au rendez-vous. Attacher le fil. Ah, ici, il n'y a pas beaucoup de courant. Avec un bouchon, c'est mieux pour décoller les ficelles. Il faut compter 5 à 7 minutes avant de relever. Mais au début, ça risque d'être plus long le temps qui vienne. La première moyenne qui s'est fait prendre. Tout l'art, c'est de attraper l'écrevisse sans se faire pincer. Allez, là. J'ai oublié de vous préciser que l'écrevisse, elle aime bien la viande. Donc, il faut pas être radin. Bon, on va voir s'il y a plus de succès. Une écrevisse, toujours bien l'attraper par le derrière les pinces, sinon vous faites pincer et ça lâche pas hein. Ça n'a pas un grand succès aujourd'hui. On va relever une fois encore. Sur une petite qui s'est prise. Regardez la différence de pince, une petite et une grosse. Paraît-il que ça repousse. Il y a une à chaque fois. C'est pas très folichon, mais bon. Ça va peut-être venir. Hein. Il est peut-être un peu tard, il est 6h10. Et j'ai pas pêché ici depuis l'année dernière. Et le paysage a beaucoup changé. On peut avoir des arbres immergés. Tombé dans la rivière, c'était des arbres qui étaient en bordure de rivière et c'est dû aux ragondins qui ont creusé la berge
Et inévitablement, au bout d'un moment, les arbres sont déséquilibrés et tombent dans l'eau. Donc est-ce que c'est ça qui a influé sur... Mais bon, je ne suis peut-être pas encore assez chaud. Je me suis déplacé un peu plus sur la droite, j'ai défriché. Je me souviens que le coup était plus à droite qu'à gauche. Donc je vais recentrer la pêche sur la droite. On va voir si ça s'améliore. Il y a un virage de la rivière et peut-être qu'un courant entraîne des particules qui vont très loin et ameutent les écrevisses. Encore une qui s'est fait prendre, mais c'est pas terrible aujourd'hui. Cette année, c'est une drôle d'année. Donc les écrevisses, ça fait des galeries dans la terre. C'est là que ça se réfugie l'hiver et d'après ce que j'ai lu dans certains livres. Donc c'est un herbivore comme c'est un carnassier. Quelqu'un qui mange tous les cadavres. On va le mettre avec ses congénères. Elle est mal prise en plus. Oui, c'est très rapide. C'est prise complètement à l'envers. Et en dessous, il y a de tout dessus. Il lui manque déjà une pince. Du mal à lâcher. Il manque une pince. Ça se bat. Entre écrevisses, ça se bat. Des fois, ça va très vite. Des fois, ça... Il m'est déjà arrivé d'en remonter 4 d'un coup. Mais aujourd'hui. Voilà, je vais relever les lignes. Il me semble que la ficelle de gauche bouge, signe qu'il pourrait y avoir, présence d'une écrevisse sur la balance. C'est les pattes qui font bouger le fil. On a deux et une très grosse. Fais attention de ne pas me faire passer. Mais là, on a un homard de choisi. C'est déjà un beau sujet. Une moyenne. Et on va remettre tout de suite la ligne. Alors vous voyez que la pêche à l'écrevisse, bien sûr, il faut un permis de pêche. Mais la pêche à l'écrevisse, ça ne coûte pas très cher. Trois bateaux, deux, trois, quatre ou six balances.
qui sont réglementés, mais qu'on trouve à la taille sur Internet. Il vous faut des déchets de viande. Vous pouvez essayer le foie de porc, mais ça sent au doigt, ça sent. Ce qui est, j'ai essayé que ça a bien marché, c'est les sardines. Vous allez au poissonner, vous achetez un kilo de sardines fraîches. C'est huileux et ça plaît aux écrevisses. Sinon, le poisson blanc, mais c'est moins bon. Sinon, une truite, si vous avez pêché plein de truites et vous en gardez une, vous la gardez entière avec les boyaux, vous le mettez à part pour ne pas mélanger avec celle à manger dans le congélateur. Et après, vous tronçonnez la truite que je vous ai fait voir. Et c'est très bon. Voilà. Oui, c'est des rats musqués et non des rats gondins. Hein. Et souvent, peut-être trop tard dans la journée. Rapide, hein. Ah, un elle a atteint la douzaine.